désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du bronze de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grandeur propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps, il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute, point d'alarme dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Une chaînette dont la pouille grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Comme des oiseaux.